Alors, en toute honnêteté intellectuelle, moi, je n'ai pas, on va dire, l'historique du Front populaire de Léon Blum. Moi, ce que j'écoutais quand j'étais un peu plus jeune, c'était la musique et j'avais plutôt les jeux vidéo. Donc, je me mets à vous, je me montre à vous en tant que personne honnête. Et On moi, a j'ai vu. pas honte aussi de me faire sanctionner comme ça par la plus pire des présidentes de la Ve République, Yann Braun-Pivet. C'est la plus pire. Il y en a que je ne connais même pas, ceux d'avant, mais je sais que c'est la plus pire. Voilà, je le sais. C'est elle la plus pire. Il y a quelqu'un en tout cas qui a foi en vous, notamment c'est Jean-Luc Mélenchon qui dans les colonnes de 20 minutes il y a quelques jours disait la chose suivante. Quand Léon Blum devient chef du gouvernement en 36, il n'est pas au niveau de Manuel Bompard, ni de Mathilde Panot, de Clémence Guettet. Vous êtes au-dessus de Blum en 36, Mathilde Non, Panot? il parlait de l'expérience parlementaire que nous avons, que Blum n'avait pas à l'époque. Ah, Et attendez, je le dis juste parce Léon que... Blum avait été patron du groupe SFIO à l'Assemblée entre 1919 et 1936. Oui, donc... Donc, pourquoi vous dites que vous avez plus d'expérience parlementaire que Léon Blum? Ah oui, bah écoutez...